petit loup. Eh ouais, une fois n'est pas coutume, et on se retrouve pour du survivalisme. Alors le thème que j'ai choisi aujourd'hui, ça va être du matériel efficace et vraiment pas cher. Et tout de suite, je vous le dis, je ne parlerai pas des prix, parce que je vous en laisserai la surprise. Les liens, puisqu'il y aura deux objets, seront dans la description de cette vidéo. Alors, ça sera probablement le début d'une toute petite série qui, le thème sera comment on va s'équiper et de quoi avons-nous besoin si on est en mode survivaliste zombie. Hein, je m'explique, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez de quoi je parle. En réalité, on va se dire que... bon café à ceux qui boivent un café, hein. On va se dire que nous sommes malheureusement dans une société post-atomique, que la plupart de tout ce que nous connaissions s'est effondré, que nous n'avons pas une violence exacerbée car il y a très peu de survivants, qu'on ne sera pas donc forcément dans les films américains où tout être humain en face de vous est forcément un ennemi sanguinaire. Avec des cannibales et tout ce qui s'ensuit, je pense là par exemple au film La Route, où effectivement chaque rencontre est forcément soit des cannibales, soit des assassins, soit des meurtriers sanguinaires. Voilà, je résume le film là en fait, puisque tout le film c'est ça, et après à la fin ils tombent sur des abrutis, et puis à la fin, on tombe sur des gens bien. Je pense que dans ce genre de situation, la chose qui va dominer le plus, ça sera l'entraide et pas la confrontation, même si quand on se connaîtra pas et qu'on se rencontrera, ça sera d'abord la méfiance qui l'emportera, ce qui est bien normal. Et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va falloir? Eh bien, il va nous falloir trouver de la survie. Nous allons partir du principe qu'on a trouvé un refuge décent, qu'on est équipé avec nos armes à poudre noire, voire mieux si on en a trouvé, et qu'on ne survit plus vraiment, mais qu'on vit. Vit entre 0 et 10, on vit à 1,5 sur 10. D'accord? Là, je vous pose donc le contexte. Comme ça, vous pouvez voir où j'en suis. Donc, dans mon délire, j'ai envie de dire, un peu bande dessinée années 80. Alors, à partir de là, effectivement, si on a réussi à avoir un système où on peut vivre, on doit normalement pouvoir dégager du temps libre. Avec du temps libre, qu'est-ce qu'on va en faire? On va explorer. Explorer pourquoi? Pour trouver, bien sûr, des choses qui peuvent améliorer notre quotidien. Ça peut être de tout. Ça peut être des panneaux solaires, des éoliennes, des batteries. Enfin voilà, vous voyez, parce que effectivement, à partir du moment où vous ne survivez plus, que vous vivez, je pense qu'une des priorités des survivants, ça va être de rétablir l'électricité. Et là, il vous suffira d'avoir du vent et du soleil. Des batteries pour le stocker, pour vous permettre de recharger des iPads, des MacBooks, et d'essayer peut-être de pouvoir se reconnecter au système. Pourquoi pas? Ce qui me paraît impossible, puisque même si les satellites fonctionneraient, les antennes relais, elles, ne le seraient plus, puisqu'il n'y aurait plus d'entretien. Mais en tout cas, on pourrait avoir sur les téléphones qui ont par exemple téléchargé des séries, on pourrait les revoir. Pareil pour la musique. Problème d'aujourd'hui, effectivement, c'est que beaucoup de gens comme moi le font en streaming. Donc, mais bon, il y a quand même matière à se dire qu'on pourrait trouver des appareils avec du matériel téléchargé dessus. Et donc ça pourrait être aussi des systèmes de communication comme des walkies ou alors des appareils comme des lampes, torches, tout ça qui vous permettrait de vous éclairer. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Donc toujours est-il que là, on est dans l'exploration. Une fois qu'on est dans l'exploration, que nous faut-il? Alors la première des choses, ben, on se fera probablement une ceinture complète. La première des choses, on va partir avec notre arme. Donc on se prend notre Remington 1858, à gauche ou à droite selon ce que vous êtes. Et je préconise d'avoir une pochette telle qu'on se l'est fait fabriquer mano-mano
sur notre Discord. Je vous mets le lien du Discord aussi dans la description. On a un super fabricant, vendeur, pas cher, mais alors pas cher du tout, qui vous fait tout en vrai cuir. Et donc, vous partez avec un ou deux barillets de survie. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, on va partir du principe que nous allons partir une dizaine d'heures. Donc, on va se dire que peut-être qu'il nous faudra un peu de nourriture et puis une pochette au cas où on se blesse. Mais il nous faut aussi de quoi couper et de quoi s'éclairer. Et c'est tout le sujet de cette vidéo, puisque nous allons parler effectivement de couteau et de lampe torche. Alors, le couteau, vous allez dire, ouais, il ne va pas nous faire un discours sur les couteaux. Effectivement, un survivaliste sans couteau, ce n'est pas un vrai survivaliste. L'idée de vous présenter cela, c'est de vous présenter un couteau qui est solide, pas cher, et qui a un maximum de critères de survie. Donc, je ne vous dis pas le prix, vous verrez ça vous-même sur le lien, parce que vous allez être hyper étonné, et je suis persuadé que, comme une de mes dernières vidéos où j'avais mis un lien justement pour acheter du matériel vraiment à bon prix, je pense que vous allez vous en gaver de ce petit objet. Alors petit, pas vraiment, comme vous le voyez dans ma main, il est loin d'être petit. D'accord, on a vraiment un objet là qui fait une quinzaine de centimètres, comme dans ma main, voire un peu plus. Donc, alors pourquoi je vous le présente? Alors, premièrement, un avantage, il a cette longue, vous voyez, cette très très longue barrette qui vous permet de l'insérer dans votre ceinture. Vous la voyez là, elle est très dure, très très serrée. Donc, vous le mettez dans un passant de pantalon ou autre. Ça vous permet d'y avoir accès rapidement, mais elle est très serrée, elle est très longue, ce qui fait qu'il y a très peu de chances que vous le perdiez. Deuxième chose très intéressante, c'est cette lame ici qui va vous permettre, alors là, c'est souvent vendu comme un coupe-ceinture de sécurité, mais on peut couper plein de choses avec ça, et c'est extrêmement efficace quand vous en avez déjà usité sa lame. Ça coupe vraiment bien, c'est vraiment très très pratique. Donc, nous sommes dans l'exploration, on l'a à notre ceinture de manière disponible très rapidement et de manière sécurisée, et on peut, par exemple, couper des liens ou des lanières avec ça et les mettre dans notre sac. Ça, c'est toujours bien agréable. Alors, troisième point sur lequel je trouve qu'il est très appréciable, c'est sa couleur, tout simplement. Il est hyper discret, il ne brille pas. Il est donc noir, ici, à l'endroit où on pose la main, et en gris. Une sorte de gris souris qui est vraiment très agréable à l'œil, en esthétique. Hein, vous voyez, il est superbe. Hein. Et je peux vous dire qu'il est aussi bien lourd. Hein, il fait son petit poids. Vous avez une poignée antidérapante qui est vraiment sympatoche. Et pour finir, donc comme il est discret, il est aussi extrêmement fin. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une belle petite bête. Il est fin, puisqu'il est moins large que mon doigt, d'accord. Ça veut dire qu'il est discret, il ne prend pas beaucoup de place non plus dans les affaires. On est en exploration, on ne veut pas non plus des choses qui nous encombrent. Et puis, dernier point, je vous recommandais dans la vidéo précédente un couteau de survie qui est de la marque Buck, et qui donc est à peu près du même gabarit que celui-là, mais la lame n'est pas rétractable. C'est des couteaux extrêmement solides, mais ils ne sont pas rétractables, ce qui veut dire que moi, personnellement, si je partais en exploration, je prendrais les deux. Je prendrais les deux, comme ça j'en aurais quand même un de secours. Donc là, vous avez une lame avec un cran d'arrêt. Donc vous voyez qu'elle est bloquée, hein, comme ça, hein, je l'ai bloquée. Donc vous allez devoir la débloquer grâce au cran qui est sur la crosse, hein, qui est là, ici, en dessous. Donc, en fait, il ne faut pas appuyer, il faut le décaler légèrement pour pouvoir la débloquer. D'accord? Donc, si vous appuyez, ça ne sert à rien. Vous devez appuyer ici. Donc, vous voyez, vous avez le gros trou, là. Vous n'appuyez pas vers le trou, vous appuyez sur le côté pour la déverrouiller comme ça. D'accord? Donc, quand vous l'ouvrez, vous le faites violemment pour enclencher. Et vous voyez que vous avez une belle lame. Vous voyez ça? Vous avez une belle lame qui
encore un avantage, elle est très pointue, donc ça c'est vachement bien pour pénétrer. Mais regardez la couleur aussi, qui est vachement agréable, c'est qu'elle est grise, donc elle est très discrète, et s'il y a du soleil, elle, ça ne va pas reluire dessus et donner votre position. De plus, elle est extrêmement affûtée. Hein, je ne sais pas si... Franchement, vous pouvez imaginer... moi, je peux vous passer mon doigt, là. Donc, pour tester, on fait comme ça, sur son ongle, et vous voyez que ça fait des petites traces, et je l'ai juste posé, hein. Donc ça veut dire qu'il est très 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 affûté. La marque c'est Doomblade, DB, DB. Et donc, je vous laisse découvrir le prix. Vous allez être épaté et jetez-vous dessus parce que je ne suis pas sûr que les prix vont continuer à rester à ce niveau-là. Alors il y a un ressort, hein, je vous le dis, comme ça, soyez pas surpris, qui vous permet justement, quand vous l'ouvrez, vous voyez, hop, là il ne bloque pas, là il bloque, il faut donner un petit coup. Il est vraiment, vraiment... vraiment génial, ce couteau. Donc, je vous le conseille. Lien dans la vidéo. Pareil. Pareil. Allez, on va se boire un petit coup de café. Chin, les gars. Prends-y. Ah, je vous la fais mano mano. Hein. C'est un nouveau format. Il n'y aura pas de montage. On se la fait caméra au point. Donc, on part en exploration, pareil. Alors, voilà. Elle est petite. Elle est discrète. Elle est dans un boîtier étanche. Ça, ça peut être extrêmement, extrêmement important. Puisque tant que vous ne l'utilisez pas, inconvénient, vous ne pouvez pas la mettre à votre ceinture. En tout cas, l'étui. Mais comme elle est très discrète, dans une popoche, ça va très bien. On s'en sert pas, on l'a sur nous. On peut la charger en USB. Donc vous voyez que c'est vraiment un produit où il vous faudra bien sûr de l'électricité. Avec l'USB, il faudra un appareil qui vous permet un PC portable ou un MacBook. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Déjà, son prix, vous le découvrirez. Là, c'est pareil, j'en souris parce que je sais que vous allez dire « Ah ouais, quand même, c'est pour rien. » Et elle a aussi surtout des fonctions que moi, je l'ai prise. Immédiatement, je mets mes lunettes, hein. Et vous allez voir que en fait, elle a une capacité de résilience de l'énergie extrêmement puissante, c'est-à-dire que sa batterie ne fout pas le camp à vitesse grand V. Alors ensuite, elle est à l'épreuve de l'eau, et elle est à l'épreuve des explosions. Vous voyez, ça c'est vraiment de la survie top du top. Et puis, surtout, elle a plusieurs fonctions d'éclairage. Et la première, c'est sa puissance. Elle est extrêmement puissante. Mais elle a aussi d'autres fonctions que vous allez voir. On va l'ouvrir. Hein. Donc, quand vous ouvrez le coffret, alors ça, c'est moi qui l'ai récupéré. C'est de l'anti-humidité. Je vous l'ai déjà dit un million de fois, mais je vous le redis. Donc ça, c'est vous les trouvez dans beaucoup de produits qu'on peut acheter. Moi, ça, c'est dans, par exemple, dans les médicaments. Pour la respiration, où ils mettent ce dessicateur. Donc moi, je le glisse dans mon appareil, comme ça, c'est étanche, mais en plus, je le protège. Donc là, vous avez bien le câble USB, donc c'est un USB 2.0 standard, vers un micro USB, hein, standard aussi maintenant. D'accord? Une belle petite boîte étanche, c'est sympa, avec de la mousse pour la protéger. Alors, voici la bête. Alors, donc, si vous la mettez à transporter en dehors de cela, vous avez... la petite barrette, très très serrée également. Vous avez cette petite chose là. Ça veut dire que, en fait, elle va vous servir aussi de lampe SOS. Là, c'est la zone d'activation et de recharge. Et vous voyez qu'elle est très petite. Elle est vraiment très petite. Et voici l'optique. Alors, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de pile dedans, hein, puisque c'est des batteries. Donc vous voyez que, je vous le mets dans la tronche, hein, ça va être trop, trop bien, vous voyez que c'est très puissant. Moi je peux vous dire qu'on va aller la tester là, dans le noir. Donc hop, après vous pouvez faire comme ça. Et après vous avez le format lampe. Alors c'est encore plus efficace parce que ça, mais l'avantage c'est qu'on ne peut rien voir de par en haut. Donc là on a vraiment quelque chose qui va nous éclairer. Hop, vous voyez,
Vraiment. Hyper pratique. Alors, la seule chose que je lui reprocherais, c'est que de ces trois modes, on ne peut pas les sélectionner directement. On est obligé de passer à chaque fois par chaque mode. Alors, on va aller tester ça directement. Donc, je vous le fais. On va se le faire à la mano-mano, comme je vous le disais. Allez, on va aller dans une pièce noire. Et vous allez pouvoir constater par vous-même qu'elle est extrêmement puissante. Donc, on va dans la pièce noire. C'est ma buanderie. Hein. Oh. Alors, on va... Voilà. Donc, vous voyez... Ensuite, on a le mode. Et là, c'est le mode que je vous disais, qui est très bien, très agréable. Vous voyez que c'est très puissant, la pièce est complètement éclairée. Et c'est tout petit ce truc. Hein. Donc là, j'éteins. Vous voyez, on est vraiment dans le noir. Hein. Et hop, vous avez vu la puissance. Mais là, j'ai un faisceau rond. Si je veux éclairer la pièce en entier, là, j'ai fait tic-tic. Regardez, la pièce est complètement éclairée. Donc vous pouvez voir qu'effectivement, on a un truc qui est très puissant et qui est vraiment un prix tout à fait raisonnable. Et je pense que il vous faut avoir ça en stock. Alors après, je sais que comme vous êtes des survivalistes comme moi, vous allez dire oui, c'est effectivement du bon matos, mais je préfère ceci, je préfère cela. Là, ce que je vous propose, c'est deux objets indispensable à mon sens pour moins de 10 €. Donc je vous le dis, je vous le répète, c'est pas les mêmes vendeurs, c'est sur AliExpress, vous les commandez en Chine, vous les avez entre 2 et 3 semaines à peu près, et vous verrez que c'est vraiment du matos. Alors ça, moi par exemple, pour couper de la viande, une belle entrecôte, un faux filet, je vous dis, il y a un plaisir immense, hein. Hein, moi je le fais souvent, c'est à l'opinel ou autre couteau ou la gueule. J'aime bien dire la gueule, pas la gueule, je déteste le mot la gueule. Donc je dis la gueule comme un bon français. J'utilise un la gueule pour les belles viandes de chasse, comme ça. Mais ça, ça aussi sont pesants. Hein, ça vous donne. Vous avez une puissance en main qui est très agréable, c'est ça que je veux vous dire. Donc autant en défense que. Que pour se nourrir ou pour dépioter ou autre, c'est vraiment un petit matos sympa. Je dis bien petit matos parce que c'est pas quelque chose avec lequel on va passer des années à l'utiliser. En tout cas, je ne pense pas. Un buck sera beaucoup plus solide. Mais ça dépannera à mort. Et les deux pour moins de 10 €. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Je vous le demande. Donc moi, je vous le conseille ardemment. Fournissez-vous en cela. Je le dis, c'est moins de 10 € pour les deux. Ça serait bête de passer à côté. Les petits loups, je vous fais des gros poutous. Laissez-moi plein de commentaires, hein, comme je les aime. Et toujours aussi intelligent et intéressant. Et puis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, ben, abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche. Comme ça, vous saurez quand je mets des nouvelles vidéos sur la chaîne. Et puis, je vous embrasse, quoi. Parce que je vous aime. Allez, à ciao les petits loups !